Ah! La chapelle du Père Campbell. La chapelle du Père Campbell. Ok. Putain, on a pop juste à côté de la cave là, deuxième fois. C'est le pire endroit. Oh putain, je le savais! N'en dis pas plus. Ah non, mais c'est pour ça que je disais que c'était le pire endroit. Pour ce genre d'éventualité. Oh là là, je me suis enfermé. Un plaisir. Ah, je suis un connard. Je suis sous une palette! Oh. Ah, mais je suis le roi des cons. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu peux. Je remonte. Oh, mais évidemment, il était juste là, non mais. Putain. Putain, évidemment, il a fait demi-tour, hein. Je crois que Gilles Valentin, il prend le relais. Merci à lui. Il a dû comprendre ma douleur. Ah, juste à côté de moi. Ok. Il est parti bien des terres là. Il est sur moi. Je suis pas loin. Hein. Je peux. Oh, il reste. Il m'a lâché. Ouais, non, mais vas-y, campe. Une petite pue. Ah, faut que je l'aide. Il a voulu m'aider. Hein. Il a pris la chaise pour moi et tout. Hein. Vas-y, je le sauve. Nick. Oh là, il tunnel. Oh, les joies du Laurent Ked. On va vraiment tomber que sur ça. Bah, viens avec moi, faut qu'on l'aide et faut qu'il s'en sorte. Ça me bat les couilles de moi. Ah ouais, il me voit. Mais vraiment? Bloque-le. Oh putain. Ah. Il a eu marre quand je rentre dans sa gigue autour de lui. Il me suit. Où es-tu? Il a essayé de me taper deux fois, il m'a raté. Hein. Clairement, il sait pas trop jouer. Hein. Il s'est juste campé pour. Quoi? Oh bah, l'interaction avec la palette, génial. Mais non, mais. Non, mais non, et le Jill Valentine là qui revient. Non. Putain, on a fait tout ça pour lui. Mais pour elle. Non, non, mais il s'est barré en fait. Je pense qu'il a compris sa connerie. Mais le truc, c'est que bah, du coup, je l'ai tellement fait chier. J'étais. Je suis tellement allé contre ses projets que là, il va vraiment me camper de ouf.
Il est sur moi. Je m'en fous de crever en vrai, franchement. Mais vraiment. Aïe. Il a rien récupéré. Quel connard. Bah ouais, mais il a rien récupéré en fait. Mais sûrement. J'en ai marre de ce qu'elle nous débile. Ah ouais, bon, en même temps, vas-y, fantôme qui campe. Voilà pourquoi j'avais désinstallé le jeu. Après, on est con, on aurait dû accepter un sacrifice et que voilà, qu'il y en ait un qui meurt pour que les autres finissent ses moteurs. Parce que là, à l'aboutissement, on va tous mourir. Bon, je me casse, tant pis pour eux. J'ai fait tout ce que j'ai pu. T'es où? J'étais dans un placard. Moi je suis dans un cirque, je suis un moteur. Ah bah tiens, j'allais arriver. T'as fini de me soigner s'il te plaît? Vas-y. Ça va, on les a assez aidés là-bas. Non mais en vrai moi c'est Calivoda, je voulais pas qu'il meure. Dès le début, genre il a vu que j'étais en galère, il a voulu prendre la chaise à ma place. C'est beaucoup trop faire, je peux pas dire Joseph d'un gars qui fait ça. On a relevé tout le monde, j'ai fini le moteur. J'ai libéré tout le monde. Même quand vous étiez tous à terre. Et bien voilà. Là c'est bon. Je te laisse à t'occuper de cette porte. Ok, il y a Jeff qui vient vers toi. Oh, je m'en doutais. Bon, mais il est foutu, hein. Ah, mais il est mort en plus. Hein. Vous voulez pas qu'on se casse? Bah, pas le choix. Viens vers moi. Viens vers moi. Ouais, j'arrive. Je suis là. Fais chier. Bah désolé Calivoda, putain en plus il a fait un trop beau move pour moi, c'est trop gentil de sa part. Je suis dégoûté. C'est clairement la partie d'écœurement parce que le mec qui fait le move le plus altruiste possible, c'est le seul qui meurt et en plus tu tombes contre un tueur mais qui pour le coup lui n'est pas du tout faire quoi. Non mais c'est pour ça que je hais ce jeu en fait. C'est. Allez on le reporte hein. Un peu d'anti-jeu. C'est abusé. Plus 2, ouais.